Saxo Aviation et Safran ont finalement trouvé un accord amiable, moyennant 280 millions de dollars. Une très grosse indemnité que Safran va verser à l'avionneur pour compenser les dysfonctionnements du moteur Silvercrest, qui était destiné à équiper le Falcon 5X. Mais l'équipementier aéronautique n'a jamais réussi à le faire fonctionner correctement. Et fin 2017, après de nombreux retards, Dassault a préféré carrément renoncer à son avion. Cet arrangement financier n'aura pas d'impact sur l'activité et la rentabilité, assure Safran. De son côté, Dassault, qui a plusieurs usines dans la région, va pouvoir se concentrer sur la fabrication de son nouveau Falcon 6X et aussi sur son futur Falcon, tenu encore secret. L'avionneur dit avoir augmenté ses embauches localement pour mener à bien ces deux projets. Les filiales de Safran restent partenaires sur le modèle 6X et fourniront notamment des systèmes électriques et du câblage, mais pas le moteur cette fois, qui a été confié à un équipementier canadien.